Salut à tous, ici Albangoise et Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur Yu-Gi-Oh! The Jinx et cette vidéo, elle arrive un petit peu. Elle arrive un petit peu en retard, puisque l'event de trait est actuellement terminé. Bon, c'était un bon event. On pouvait avoir des cartes du support pour son archétype chronomal, puisque je vous reprécise qu'il va arriver en août. Donc je ne sais pas quand. Parce que pour moi je pense que en septembre, il ne va pas venir puisque ce sera avec le mot de duel Arcfall, donc ce serait logique qu'il soit en août. Dans cette vidéo, je vais également vous présenter mon deck de farm, donc pour son ancien event, qui était du 9, avant le 9, voire le 6, je sais plus trop, 6 ou 7, jusqu'au 12 janvier. Donc la date actuelle d'aujourd'hui, également dans ma précédente vidéo de présentation, donc de l'event du KCG, du Turbo Duel GP. Donc, n'hésite pas à la checker. J'ai remarqué qu'après, j'ai oublié de vous présenter une fonctionnalité que je vais également vous présenter dans cette vidéo. Et également, la présentation de mon deck de farm qui m'a permis de farmer. Très, et on y va pour cette vidéo. Voilà, tout d'abord, on va présenter les fonctionnalités. Et je vous dis en fin de vidéo, mais avant, donc là actuellement on a 10.9 sur Genshin Impact. Donc la vidéo de la 10.0 tirage sera le 13 mars. Et j'ai également une vidéo de plusieurs vidéos présentées. Donc là, c'est de nouvelles fonctionnalités, c'est que désormais on peut échanger des cartes. Cette fonctionnalité, c'est quand c'est déjà présent quand une nouvelle carte est bannie. Avec Yuma, Zukumo et Astral. Donc bah, évidemment j'ai eu la chance d'avoir en un exemplaire donc la carte Uber et SR du Chronomal. Donc mon deck c'est le deck de farm Magicien 2. Je vais pas faire une bête puisque ça ne marche pas. Magicien 2, donc c'est vraiment incroyable. Donc la combo c'est que quand on a Magicien, n'importe quel magicien, Magicien des pommes ou Magicien du cul ou l'invoque. Là, on a pas décidé de se trouver au point de
fait, on avait le droit d'avoir la guerre de Pula. Attaque à gagner. Et on attaque directement.
que je ferai sur la bannière permanente, en espérant d'avoir mes deux cafés étoiles, notamment les trois aléas.